le regard incite à distinguer les sons, alors qu'en fait l'harmonie est vraiment dans l'ensemble, dans le mélange des sons. Alors, quand on ferme les yeux, on appréhende plus l'ensemble que la somme des différents sons. On écoute ce que joue l'autre, on réagit par rapport à ce que joue et interprète l'autre. Et c'est ça qui me plaît, moi. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans le son, particulièrement. Dans cet orchestre, il y a beaucoup de dynamique. Vraiment du pianissimo forte et c'est très inspirant et c'est très mystérieux et il y a vraiment beaucoup de mystère dans cette musique. On a répété, après on a travaillé en studio, on a privilégié l'improvisation. C'était beau, très mélodique, très enlevé. C'était vraiment formidable. C'était très agréable, voilà. Moi j'ai adoré quoi. On a beaucoup aimé, beaucoup. Très bon public du samedi soir qui normalement est fait tard. Là il était relativement calme et très attentif en fait. Ça nous a bien mis dedans en fait, ça nous a aidé à rester dans la musique en fait. Ce qui compte pour nous, c'est la diffusion de notre musique, donc tous les moyens sont bons pour une diffusion au maximum, pour que les gens puissent accéder à notre musique facilement, parce que maintenant on sait que les distributions physiques sont difficiles, qu'il y a des FNAC qui sont supprimés, il y a des rayons de jazz qui deviennent de plus en plus petits, donc il faut se rabattre sur l'internet.